Bienvenue dans la lecture du jour. Aujourd'hui, on est mardi et le mardi, c'est dans les livres historiques. Pour en savoir plus sur mon plan de lecture, n'hésite pas à regarder la vidéo qui va avec juste ici. La semaine dernière, j'ai lu dans Josué chapitre 22. Aujourd'hui, je termine le livre de Josué avec les chapitres 23 et 24. Josué est sur la fin de sa vie. Il a accompli tout ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. Les Israélites sont installés. Ils ont conquis le pays promis. La répartition entre les différentes tribus est faite. C'est l'heure du bilan. Il fait un bref résumé de l'histoire d'Abraham jusqu'à leur jour. Et là, Josué va les mettre face à un choix. Continuer d'adorer les idoles de leurs ancêtres ou servir le Seigneur l'Éternel. Et c'est de ce chapitre 24 qu'est connu le célèbre verset, c'est au verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué vient d'expliquer un peu aux Israélites, les tenants et les aboutissants, le choix qu'ils peuvent faire de suivre les idoles de leurs ancêtres. Et lui répond à cette question en disant « Mais moi et ma famille, nous avons déjà fait ce choix. » Et c'est l'Éternel que nous choisissons. Les Israélites vont répondre la même chose, en disant « Mais nous aussi, nous voulons suivre l'Éternel. » Et Josué leur dit « C'est donc votre choix, vous avez choisi librement l'Éternel, vous devez avoir l'attitude qui va avec. Débarrassez-vous des faux dieux, débarrassez-vous des idoles qu'ont pu vous léguer vos ancêtres. » Ce passage est très fort parce qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose. Dieu ne s'impose à personne. Dieu nous laisse toujours le choix de le suivre ou pas. Et c'est librement que nous pouvons décider de marcher dans ses voies. Mais si nous décidons librement de le suivre, alors nous devons avoir l'attitude qui va avec. Il n'y a pas de place pour plusieurs dieux dans notre vie. Il n'y a de la place que pour un seul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à demain 17h30 pour la prochaine lecture du jour. N'hésite pas à relire ces chapitres 23 et 24 en cliquant dans le lien qui est juste dans la description ci-dessous. Et dis-moi qui tu as choisi. Tu peux bien évidemment partager cette vidéo si elle t'a plu. Et t'abonner à ma chaîne.